وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد. ما معنى هذا؟ يعني أن الوسائل تعطي أو تعطى أحكام المقاصد، فإن كان مأمورا بشيء كان مأمورا بما لم يتم به إلا به، فما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وإن كان منهيا عن شيء كان منهيا عن جميع طرقه ووسائله الموصلة إليه. C'est-à-dire que les moyens prennent le jugement des objectifs. Le moyen que tu vas employer pour faire une chose prendra le jugement de l'objectif que tu veux atteindre. مثلاً تريد أن تقوم بعمل واجب. Tu veux faire une chose qui est obligatoire. Le moyen qui peut te permettre de parvenir à cet objectif obligatoire deviendra lui-même obligatoire pour toi. Alors, tu veux faire une chose qui est mustahabba et tu as besoin de moyens pour y parvenir, ces moyens deviendront eux-mêmes mustahab pour toi. Tu as un moyen qui te mène vers le haram, ce moyen prendra le jugement de l'objectif, c'est-à-dire deviendra haram lui aussi. Bien que ces moyens, fil asl annaha mubaha, on parle de choses qui sont permises. Tu veux te rendre au masjid pour iqamat as-salat, salat al-jama'a. Le masjid n'est pas à côté de chez toi. Il faut que tu te déplaces pour y aller. Sah. Ce déplacement va prendre le jugement de cette salat. Il met wajib pour toi. Ce sera wajib pour toi de te déplacer pour aller à la salat. Ça, c'est un exemple. Tu veux faire une chose qui est sunnah. Le moyen qui va te permettre d'y parvenir dans ce qui est légiféré, ce moyen deviendra lui-même sunnah, prendra le hukm d'une sunnah, de cette sunnah. Et une chose qui t'amène vers un haram, même si de base elle est halal, elle deviendra haram. Prendre ta voiture pour te rendre vers un lieu interdit, par exemple tu vas aller au cinéma, ce trajet en voiture que tu auras fait avec cette voiture te sera rendu interdit. À ce moment-là, ce que tu auras fait comme parcours en voiture, ce sera rendu interdit. وَأَمَّا الْمُحَرَّمُ مِنْهُ الشِّرْكُ الْأَكْبَرُ وَهُوَ الشِّرْكُ فِي الْعِبَادَةِ فَيُحْرَمْ كُلَّ قَوْلٍ وَفِعْلٍ يُقْضَى إِلَيْهِ مَثَلًا الشِّرْكُ الْأَكْبَرُ. Quand vous allez, Inch'Allah, étudier Kitab al-Tawhid, vous allez voir différentes abwab, des choses qui sont soit du shirk en soi-même, ou soit qu'ils sont des moyens qui mènent au shirk, donc ça m'est venu pour fermer les portes. Ça m'est venu pour fermer les portes. Mathalan, faire un dua, c'est halal. Être près d'une tombe de quelqu'un pour lui rendre visite, c'est halal. Mais invoquer auprès de cette tombe deviendra haram. Pourquoi? Car c'est un moyen qui mène à adorer cette tombe. Ou à croire que le dua auprès de cette tombe a un fadl, a un mérite, a une baraka. D'accord? Donc ça va venir à ce que peut-être des gens vont te voir. Toi, ta niya, c'est pas d'invoquer la personne. T'es arrivé près de la tombe, mais t'as envie de faire un dua. Quelqu'un t'a vu au loin? Jahil. Raka tadru bijwa al-kabr. Qu'est-ce qu'il peut se dire, lui? Que ce kabr fi shay min al-fadl. Donc après, de fil en aiguille, génération de génération, les gens vont arriver au shirk akbar. Comme ça arrivait avec ça de shirk, lorsque le peuple de Nour se sont mis à faire des souars des gens pieux de leur communauté pour se rappeler d'eux. Au début, c'était quoi leur niya? Se rappeler d'eux pour se motiver à faire des actions. Et du fil en aiguille, les gens ont oublié et se sont mis à adorer ces images, ces figurines ou ces, je sais pas, c'est des statues ou des peintures ou quoi. C'est des souars, la colline. Tout, c'est un même jugement. Mafoumal, taïb. Ensuite, il dit, وَحْكُمْ بِهَذَا الْحُكْمُ لِلزَّوَائِدِ. Et applique le même jugement pour les choses qui sont annexées à ce point-là. C'est-à-dire, مثلاً, l'exemple qu'on a dit au début, تَمْشِي الْمَسْجِدِ. Ce déplacement vers le masjid t'a rendu obligatoire, par exemple. Et tu as la récompense de cela. Quand tu reviens du masjid, et également cette récompense est écrite. Bien que tu aies accompli l'acte, mais tu retournes, tu repars du masjid,
d'une chose qui est obligatoire, d'une chose qui était moustahab ou quoi, ce retour prendra également le jugement de l'aller. Et parmi la dilla justement de ce retour, c'est le hadith de cet homme qui habitait loin du masjid. فقال له الصحابة أفلا تتخذوا حمارا تركبه للمسجد الصلاة. C'est un homme qui habitait très loin du masjid. Ils lui ont dit, pourquoi ne prends-tu pas un âne pour pouvoir te rendre à la salat? Il a dit, أبل يسرني أن يكتب كل خطوة أمشي بها للمسجد وحين أرجع إلى أهلي. J'aime qu'il me soit écrit chaque pas que j'aurai fait vers le masjid, vers la salat, et également lorsque je reviens vers ma famille, que ce soit lui écrit. La darrajul. Le Nabi sallam akarra. Nabi a prouvé cette parole-là. Donc quelqu'un pareil qui va faire un haram, son retour de ce haram sera compté également. À part si c'est un retour tawbah. Une fois qu'il a fait son haram, il a fait tawbah, il a regretté, après il rentre, là. Mais s'il est parti par exemple, il est parti au cinéma, il a regardé son film, après il revient, il rentre chez lui normal, bah ce retour est compté comme haram sur lui également. Ce retour est compté comme haram sur lui également. Les pas qu'il fait ou tout le déplacement qu'il fait, comptez comme haram.